Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'est réunis pour parler d'un thème, c'est l'immigration. Le problème principal, c'est que l'immigration traverse la Méditerranée et il y a des migrations illégales. À peu près 100 000 migrants par an. Il y a aussi un problème humanitaire. Beaucoup de gens meurent en traversant. Le problème, c'est que doit-on faire lorsque l'on voit un bateau de migrants illégaux au milieu de la Méditerranée ? Il y a plusieurs solutions. La première, ce serait de les laisser mourir, mais ce serait un problème humanitaire qui créerait des décès. La seconde, ce serait d'aller les chercher, mais il faudrait ensuite soit les ramener dans leur pays, soit les ramener en Europe afin de les garder ou alors de les renvoyer une autre fois. Et le troisième problème serait de savoir s'il faut interdire ou non les bateaux aux organisations humanitaires, parce qu'ils les ramènent en Europe, mais comme dit précédemment, de plus en plus de pays bloquent les frontières aux migrants. Nous allons d'abord parler de contrôle de frontières. L'Italie accepterait les migrants en condition qu'on les partage par l'Union européenne. La Suède veut limiter l'immigration dans le pays car elle accueille déjà beaucoup des immigrants. La deuxième question se pose comme est-ce qu'on accepte les navires qu'on vient chercher au milieu de la Méditerranée ou on les accepte ou non? La Grèce est aussi prête à accueillir des migrants car il faudrait sauver le plus de vies possible, donc il faudrait les amener en Europe et pas les ramener d'où ils viennent car ils pourront repartir. Mais quand même, il faudrait les partager selon tous les pays et pas que dans la Grèce, parce que la Grèce, à cause des raisons géographiques, il y a presque 57% qui ont débarqué en Grèce, donc il faudrait les partager. Danemark est contre accepter les immigrants, il veut faire des centres de tri des immigrants hors d'Europe. L'Allemagne accepterait d'accueillir 25% des migrants secourus. Non, nous refusons d'accueillir des migrants. La Lituanie accepte d'accueillir une partie des migrants qui traversent la Méditerranée lorsqu'ils sont secourus. En ce moment, il y a des pays d'Europe qui sont prêts à accueillir les migrants, mais pas tous les pays. Merci pour votre attention. Puisqu'il est sujet à controverse, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et après, on essaye d'en discuter en essayant justement de voir, de placer le problème au milieu. Et on va essayer de faire tous ensemble la cartographie des différentes controverses, des différentes questions qui sont reliées au sujet, le thème de l'identité. D'accord ? Si un père et une mère veulent fonder une famille et qu'il y en a un des deux qui ne veut pas avoir d'enfant pour une raison de santé, ils sont obligés de faire appel à une troisième personne, un donneur ou une donneuse, pour leur donner un ovule, un ovocyte même, on appelle ça, ou des spermatozoïdes. Donc le titre c'est comprendre la GPA et la PMA en 3 minutes. Lorsqu'ils rencontrent des difficultés à concevoir un enfant, on parle alors de gestation pour autrui, GPA. Ceux qui souhaitent avoir recours à l'une de ces techniques peuvent cependant se heurter à la loi de leur pays. J'ai 17 ans et demi et je suis née par gestation pour autrui aux États-Unis. Bien, vous savez, c'est qu'on crée l'œuf dans un tube à essai et on implante l'œuf, d'accord, dans une autre femme. Les enfants qui sont nés par le GPA vont avoir envie de voir ses vrais parents. Technique, on peut se poser des questions sur cette technique médicale. Peut-être qu'ils croient que ce n'est pas naturel. Ça peut être pas bien pour la santé des parents. Dans les campagnes, c'est bien pour les personnes parce qu'elles veulent avoir des ancêtres et des personnes qui vont prendre toute leur richesse.